Si vous mettez le code Gugu dans la boutique de Fortnite, il se passera pas grand chose. À part mettre un gros sourire sur ma grosse tronche. Alors. Les amis, aujourd'hui j'ai découvert une pièce très très secrète sur Fortnite et vraiment flippante. Et pour la connaître, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai failli me pisser dessus. Soutenez-moi en mettant le code Gugu, GUGU dans la boutique de Fortnite, un des codes les plus simples au monde. Likez cette vidéo en balle, abonnez-vous, mettez la cloche et suivez-moi sur les réseaux, Instagram, Twitter et TikTok. Les amis, mon nouveau clip Midnight est disponible sur ma chaîne musique Mana. Et ça me ferait super plaisir que vous alliez le voir et que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, il est en premier lien dans la description. Et en deuxième lien, vous pouvez aller l'écouter sur toutes les plateformes de streaming. Encore merci à tous, vous me donnez énormément de force et ça me fait super plaisir. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi, je vous laisse avec la vidéo. Les amis, aujourd'hui j'ai pu avoir la chance d'avoir un tout nouveau skin qui n'est pas encore sorti dans la boutique. Vraiment les gars, en ce moment Epic Games y régale de fou. Bon là les gars, le skin il a pas totalement chargé, mais c'est le skin de Ash Williams de Evil Dead qui est sorti sur Fortnite. Et d'ailleurs les amis, c'est un boss voilà, qui est juste dans sa petite maison tranquille. Ok, le skin a chargé les gars, et on peut voir que dans son dos j'ai même son petit Remington calibre 12 les gars, l'arme préférée de Ash Williams dans Evil Dead les gars. Un gros classique. Oh, et je crois qu'il y a du monde. Et là on arrive les gars dans une zone très très flippante. Déjà on a le petit boss Ash Williams qui est ici. Et cet endroit les amis recouvre beaucoup de secrets. Mais j'ai peur qu'il y ait des gens malfamés. Il y a des gens malfamés. Attention aux gens malfamés. Vous êtes malfamés monsieur. Vous êtes malfamés, vous dégagez d'ici. Vous êtes très méchants et mal intentionnés. Déjà qu'il y a pas mal de zombies ici. Oh, une petite clé. Salut mon petit pote. On dirait que tu me ressembles comme deux gouttes d'eau toi hein. Hein, dis donc, tu me copierais pas un petit peu? Ah non, ça va. Lui, il a son grimoire dans le dos. Moi, j'ai le petit flingue. D'ailleurs, petite incohérence, regardez, il a son grimoire dans le dos. Et là, dis donc, le même grimoire, c'est bizarre. Et il y a encore du monde? Oh là là, attendez, j'ai cru entendre du bruit. Ah non, 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 je sais pourquoi j'entends du bruit. C'est parce que cet endroit est très flippant, les amis. Et je vais vous montrer un petit peu tous les secrets. Déjà, les amis, si vous ne connaissez pas encore cet endroit, vous pouvez voir qu'il y a ici sa petite tronçonneuse que j'ai en main. Voilà, je l'ai en main avec le petit bruit de tronçonneuse et tout. Et. Waouh, les gars, le bruit, il est stylé. Et j'entends un coffre, mais je ne sais pas où il est, les amis. Où est le coffre? Ah bah il est au-dessus, il est juste au-dessus, les gars, on va s'armer parce que quand même, il peut y avoir des très méchants joueurs qui peuvent rôder dans les parages. Et les amis, on va bien écouter attentivement parce que tout ce qui se passe dans cette maison est très très bizarre. Écoutez bien. On entend quelque chose qui tape. Donc je me demande, est-ce que ce serait pas cette horloge qui fait beaucoup de bruit? Mais le son ne vient pas d'ici, c'est très très étrange. Et regardez, si on va parler au petit Ash Williams ici, au boss Ash Williams, salut mon pote. Oh non, pas toi, pas encore. Oui, bon, bah c'est moi, je suis moi, désolé. Mais normalement, il a une petite phrase, les amis, parce que je me suis déjà renseigné sur son compte auparavant. Il a une petite phrase qui nous dit « N'allez pas dans le cellier ». Donc on se dit « Mais il n'y a pas de porte, les gars, on va faire le tour ». Il n'y a pas de porte qui mène à un certain cellier. Déjà, il y a une petite balançoire très flippante. Ça aurait été très très flippant que Fortnite la fasse se balancer. Mais les... Wow. Tu veux un coup de tronçonneuse, mon pote? Voilà, ça c'est dans tes chicots. Faut pas me faire peur comme ça, les petits gars. Là, on peut se dire, c'est peut-être un cellier. Mais pas du tout. Oh, les gars, l'ambiance, elle est terrifiante, hein, vraiment. Wow. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Arrête de vouloir me faire peur comme ça. Ça va pas la tête. Vous êtes malade, les gars. Je vous ai dit, ils veulent tous s'en prendre à moi. C'est n'importe quoi. Il faut flipper. Donc les gars, déjà, on peut voir qu'il n'y a pas de cellier. Peut-être ici, si on ouvre la porte. Mais non, ce n'est pas le cellier, c'est la maison. Et les amis, est-ce que vous avez deviné où était le cellier? Il est juste ici. Regardez, il y a une trappe juste en dessous. On va fermer la porte pour être plus au calme. Et c'est très très étrange, parce qu'on dirait que les bruits viennent d'en dessous. Les bruits... Oh, on a le petit bruit de l'horloge quand même. Les bruits, les gars, ne sont absolument pas rajoutés au montage. Vous aurez qu'à aller ici en game et vous pourrez entendre des bruits très très flippants. Oh, des petits rires qui font bien peur aussi. Haha, nickel. Et les amis, on pourrait croire presque qu'il y a quelque chose en dessous cette cave. Est-ce qu'il y aurait... Wow, il y a quelque chose qui essaye de sortir. Il y a quelque chose qui essaye de sortir, les gars. Ils m'ont chopé le bras. Ouh, ok, wow. Calmos. Les gars, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui essaye de sortir d'ici, c'est pas du chiquet. C'est faux, les gars. J'ai eu le droit à cette petite émote aussi. Merci Epic Games. Regardez cette émote, elle est trop trop stylée. Hop là, le petit Ash Williams qui essaye d'empêcher un démon de la night, un zombie de sortir. Et ça reprend exactement cette petite trappe de cellier. Qu'est-ce que t'as à nous cacher, mon grand? Qu'est-ce que t'as à nous cacher? Y'a quoi là-dedans? Et si on allait découvrir cette petite pièce secrète à l'aide de notre tronçonneuse? C'est le moment de le découvrir et évidemment, on a une petite pièce secrète. Qui l'eût cru?
Mais est-ce qu'il y a des monstres à l'intérieur? Peut-être. On a quand même entendu des sales bruits. Il y a peut-être des monstres qui rôdent ici, ou peut-être des secrets qu'on ne devrait pas connaître. J'ai très peur en tout cas les amis, cette ambiance qu'ils nous ont mis pour Halloween Fortnite, c'est assez incroyable. Où sont les méchants? Les méchants? J'ai un peu peur les gars. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dessous les gars? J'ai vraiment pas envie de le savoir. Moi je viens prendre mon stuff et puis c'est tout. J'espère qu'il y a vraiment rien de très flippant, hein? Hein? Bon, hein? Bon, alors. Moi ça me fait peur tout ça. Les gars, on va se mettre bien. Ok. Mais non, mais les gars, le bruit venait pas d'ici? On entend encore taper? Les gars, on entend encore taper et ça a l'air de venir de dehors. Non mais les gars, ça fait super peur parce que là, il y a vraiment littéralement rien dehors. Vraiment, cet endroit, il est très très hanté. Ça vient peut-être d'ici? Je sais pas les gars, je sais pas. Le bruit s'est arrêté. Le bruit s'est arrêté. J'ai commencé à m'approcher de cet endroit et le bruit s'est arrêté. Y'a pas quelque chose en dessous ça par hasard parce que... Non, y'a rien du tout. Juste un petit bidon d'essence. Y'a rien du tout ici, mais les gars, non, vraiment, ça me fait flipper. Parce que je pensais vraiment que le bruit venait de la cave. Mais pas du tout, pas du tout. En tout cas, y'a un petit endroit ici que je n'ai pas encore visité. Et y'a un petit coffre aussi. Ok, d'accord, donc ça mène juste ici. Ok, d'accord, ça mène au-dessus, dans les charpentes de la maison. Ok, bon bah ça fait flipper tout ça. Ça fait flipper tout ça, les amis. Et les gars, donnez-moi une note sur 10 du taux de flippance et du taux de secret, les gars, de cet endroit. Parce que vraiment, je trouve ça très, très stylé. Tous les petits easter eggs que Fortnite nous ont mis. Et dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Peut-être que vous en aviez déjà entendu parler, peut-être pas. Mais en tout cas, cet endroit fait bien flipper. Et moi, je vais m'en éloigner, les gars. Hein. Oh. Les gars, aujourd'hui, j'ai quand même le nouveau skin en avance du boss Ash Williams. Et ça, c'est très, très stylé. Les gars, j'ai quand même une tronçonneuse de fou à la place de ma main. C'est quand même un truc de fou. On dirait que je suis Chainsaw Man. Non, les gars, c'est trop stylé. Les gars, si on pouvait faire un kill avec cette tronçonneuse, ce serait un truc de fou, d'ailleurs. Mais ça risque d'être très compliqué. D'ailleurs, où se dirige la zone? Je suis en plein dedans. Bah, les gars, vous savez quoi? On va aller faire un petit tour vers Tilted Tower. On en a fini avec ces histoires flippantes, là. En plus, juste à côté, il y a la maison du boss Vodou et tout. C'est très flippant. Cet endroit est très flippant. Ils ont tout, j'ai l'impression qu'ils ont tout mis à un seul endroit. Tous les trucs flippants, ils l'ont mis à un seul endroit. Ok, on a notre petite prime et il y a quelqu'un qui est dans cette zone. Mais où est cette personne? Oh, attendez, je vais aller me mettre full shield en tout cas, moi. Hop là, on va prendre ça, on en a besoin. Ça fait plaisir. J'ai peur, les gars, j'ai peur des méchants. Un méchant s'est dirigé par là-bas. Oh, je crois qu'on peut le voir, on a peut-être pu l'apercevoir là-bas. J'ai cru voir un truc bouger. Allons à sa rencontre. Lui faire tâter de notre petite tronçonneuse à la place de notre bras. Ah, je crois qu'il est là-bas. Mais il est en train de se taper contre le boss Willow. Mais oui, il est en train de se bagarrer. Wow, c'était quoi ce bruit? Les gars, j'ai entendu un bruit qui n'était pas du tout convenable. Attention à nous. En tout cas, on a juste à entendre les zombies. Et je pense qu'ils sont en train de le suivre. Mais où est notre petit pote? Oh, est-ce qu'il m'a vu? Oh, je me suis fait repérer. Alors, ça, c'est pas cool. Ah, mais ça, c'est vraiment pas sympa! Bon, eh bien, les amis, le seul ennemi qu'on aura croisé nous aura fumé et défenestré la tronche. Bon, en tout cas, les gars, c'était une petite vidéo bonus pour vous montrer un petit peu cette pièce secrète et les trucs très, très flippants qu'on peut retrouver sur Fortnite en ce moment. Donc, même si la vidéo a été assez courte, eh bien, likez cette vidéo en balle. Bien sûr, soutenez-moi en mettant le code GUGU GUGU dans la boutique de Fortnite, un des codes les plus simples au monde. Abonnez-vous, mettez la cloche pour suivre les prochaines vidéos et les nouvelles aventures. Salut!